Bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui de trois super-héros. Mes trois super-héros favoris, désolé. Je n'ai rien de Hulk à part les figurines et les DVD. Hein. Désolé, parce que j'aurais bien voulu voir, je sais pas, un gros gant de Hulk, comme le gant de Thanos, mais j'ai pas. Donc voilà. Un Superman, je garde mes vieux souvenirs. Eh oui, bah regardez. C'est sûr que je rentre plus dedans. Hein. C'était le déguisement que Superman que j'avais quand j'étais petit. Hein, mais maintenant, ouais, il fait plus long feu, hein, c'est sûr. Hein. Bah, je le garde en souvenir. Hein. Avec la cape, bien évidemment, hein, la cape Superman. Déguisement de Spider-Man, l'homme araignée, hein. Le masque évidemment. Mais bon, hein, il n'y a pas que le rouge, il y a aussi Spider-Man noir. Donc c'est pareil pour l'intérieur. Voilà. Changer, mettre le déguisement en noir. Je sais que ça n'a rien à voir, mais bon, pendant qu'on y est, je vais quand même vous montrer aussi mon déguisement Jack Sparrow. Hein, quand j'étais petit aussi, hein, vous voyez qu'il a. Que je rentre plus dedans maintenant, ça m'étonnerait beaucoup. Le pantalon. À l'époque, à mon avis, ma mère me l'avait acheté dans la boutique de l'attraction Pirates des Caraïbes. C'est-à-dire quand vous êtes à Disney et que vous avez fini l'attraction Pirates des Caraïbes. Il y a la boutique juste à côté. Voilà, c'est une très belle boutique d'ailleurs. Elle est magnifique cette boutique. Il faudrait vraiment que j'aille faire un tour en C4. Ouais, bon, voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Hein. Ça, c'est aussi les locks, hein, les chapeaux, les pistolets, épée. Voilà, il y a tout. Hein. Dragon, mais joli, oh oh. Donc, je vous ai montré que j'avais la figurine de Hulk. Hulk, je préfère le dire Hulk, c'est mieux. Je sais pas si vous avez déjà vu l'incroyable Hulk, qui est d'ailleurs un super film, parce que beaucoup l'ont critiqué, Abomination, qui était son ennemi. Dans l'incroyable Hulk, à la fin, ils se sont battus. De Superman, alors j'ai les figurines. Hein. De toute façon, je les ai déjà tous montrées, hein. J'ai toujours fait un plan sur mes figurines. De Spider-Man. Alors, Spider-Man, l'homme sable, Docteur Octopus, le bouffon vert. Et j'ai aussi Spider-Man sur un rocher. Alors, je vous préviens, ça va être des semaines et des semaines chargées, parce que j'ai plein d'idées de vidéos. Là, j'en ai plein. J'ai fait donc ma vidéo sur le Terminator, enfin sur les réponses. Je vais vous parler aujourd'hui donc de mes super-héros préférés, de mes super-héros favoris, parce qu'il y en a beaucoup que j'adore, mais il y en a que je kiffe vraiment. Donc voilà, ça va être plein de vidéos chargées, j'ai plein d'idées. Et avant que nous commencions, dites-moi bien évidemment quels sont vos super-héros favoris, parce que j'aimerais vous connaître un peu chacun, mes abonnés, j'aimerais un peu les connaître, quelles sont leurs passions. Et aujourd'hui, ça va être quels sont vos super-héros favoris. Voilà, si vous aimez bien Marvel, DC Comics. Alors, parmi toutes les vidéos que j'ai pu faire, je pense qu'à mon avis, je suis même sûr que j'ai dû parler de lui comme quoi j'adorais. Mon super-héros favori en tout premier a toujours été l'homme araignée, Spider-Man. Pourquoi? Bah, c'est instinctif, comme je vous le dis. Hein. Donc, j'ai la trilogie. J'ai la trilogie intégrale, mais je les ai en deux fois. Les anciens exemplaires. Voilà, bon, je trouve que les affiches étaient un peu mieux là quand même. Surtout là, on voit pas très bien, j'adore cette affiche. Et là, vous vous demandez c'est quoi? Édition double DVD version longue. C'est Spider-Man 2 en version longue, en gros, avec Octopus. Qui est beaucoup mieux que la version normale, je trouve, parce qu'il rajoute des scènes vraiment bien, je trouve. Alors, il y a eu des dessins animés, des BD, enfin, il y a eu plusieurs choses de super-héros, puisque c'est Stan Lee, l'inventeur de Marvel, qui a créé tout ça. Que, franchement, je dis encore un grand bravo à ce monsieur, il a créé vraiment de superbes choses. Et donc, on va parler donc, en particulier du premier Spider-Man, avec les acteurs de Tobey Maguire, Kirsten Dunst, William Dafoe, James Franco, il y en a plein d'autres, il y a celui du Daily Bugle, qui est un très bon acteur, et bon, il fait toujours que râler, hein. Voilà, voilà. Et après, aussi la grand-mère de Peter, donc la tante May, et son grand-père, oncle Ben, ou Oncle Ben, je sais plus trop, là je vais confondre avec la marque de riz, je préfère pas me gouer, enfin, c'est un des deux de toute façon, et plein d'autres acteurs, je vais pas tous les citer, mais j'ai cité les principaux. Donc il y a l'histoire Peter Parker, donc va dans le bus de son école, enfin je crois qu'il est au lycée, pour aller dans un laboratoire d'araignées modifiées, c'est une sortie on va dire en gros, et puis tout le monde n'est pas sympa avec lui, enfin à part Mary Jane qui est sympa avec lui, ça va, et Harry qui est son meilleur ami, Harry Osborn, c'est son meilleur ami depuis longtemps, et puis qui est conduit par son père, donc Norman Osborn. Et après, ils arrivent dans le laboratoire. Et puis là, c'est la catastrophe parce qu'il y a une araignée qui s'est en gros échappée. Et ils vont la chercher. Et devinez, c'est qui va se faire piquer? Ah non, c'est ici que je suis con. Bah, c'est Peter. Peter, voilà, il n'y a plus de surprise. Bon, je pense que vous le saviez. Hein. Après, donc, il se sent mal, mais à la fois, il se sent différent. Et c'est ça qui va le changer. Ouais, tu m'étonnes qu'il change. Oh là là. Donc, je pourrais pas faire ça, moi. Oh là là. Ouais, bon, en gros, il pourra grimper sur les murs, tisser des toiles. Il pourra sauter dans tous les sens qu'il veut. Bref, il devient souple, agile, costaud. Et pas grand monde vont le faire chier dans son lycée, je vous le dis. Hein. Ouais, bah oui, ça, c'est. Je crois que j'ai répondu à la question. Voilà. Mais bon, ça n'empêche pas qu'il y aura des voleurs. Bah, malheureusement, gros spoiler, mais je pense que vous le savez. Hein.
qui tue l'oncle Ben. L'oncle Ben, en gros, il est mort. C'est une scène super triste, je trouve. Elle est très émouvante, cette scène. Et je veux vous le dire, à chaque fois que je la regarde, j'en pleure. Les acteurs, ils jouent très très bien leur rôle, ce qui fait que ça fait réel. L'ambiance par derrière, la panique, les gens et tout, ça rend encore plus. Et les musiques qui rendent encore plus. Et donc après, Peter se venge et tue le voleur. Ce petit Peter, hein, oh, t'essaies de draguer Mary Jane, la chance qu'il a. Oh, elle est sublime, Mary Jane. Ah, c'est une femme magnifique, ouais, qui est interprétée par Kirsten Dunst. Je préfère le rappeler, je suis amoureux d'elle, moi, d'ailleurs. Oh, fait chier. Et puis après, voilà, il y aura d'autres emmerdes. Le bouffon vert va arriver, qui est donc Norman Osborn, hein, qui sera dans la peau. Il y aura des combats super, il y aura d'autres moments magnifiques, et ça se terminera. Je pense que vous l'avez vu, hein, voilà. Et puis après, ils ont fait un Spider-Man 2, que dans ce Spider-Man, vers la moitié, il perd ses pouvoirs, parce qu'il y a un nouvel ennemi qui s'appelle le Docteur Octopus, ou Octavius, je l'appelle des deux manières, moi, avec ses bras métalliques, ses quatre bras métalliques, vraiment super. C'est vraiment flippant. Et c'est un méchant vraiment bien réussi. Les effets spéciaux, les combats sont sublimes. Ils sont magnifiques. C'est vraiment flippant. Il y a plein d'actions. Il perdra ses pouvoirs à un moment donné. Ou bah, il les retrouvera à la fin. Je vous dis pas comment quand même. Et puis il y aura des combats. Voilà. Il y a plein de combats dans ce film. Et voilà. Où Harry apprendra aussi qui a tué son père dans le premier. Ça, c'est l'affreuse découverte. Et où à la fin, il se mariera avec Mary Jane. Merde, j'ai spoilé. Bon, je pense que vous savez. Hein. Pour ceux qui ne le savent pas, je serais vraiment étonné. Et alors, ils ont fait un Spider-Man 3. Qui est le meilleur, mais évidemment que c'est le meilleur, et il y en a qui l'ont critiqué. Non, mais vous êtes sérieux, critiquer un film par... Oh putain, et puis allez, j'abandonne. Non, mais vous êtes sérieux, critiquer un film pareil, c'est le meilleur Spider-Man. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, hein? Vous avez pas assez de musique? Sérieux, il faut que je cherche encore? Mais les méchants, il y a Venom, méchant, le super flippant. Bon, je sais, on le voit vers la fin. Il y a Spider-Man noir, donc il va se transformer en Spider-Man noir avec ce truc qui est tombé de l'espace. Bon, on sait pas trop d'où il vient. C'est ça le problème, mais sinon, c'est vraiment mystérieux et flippant. L'homme sable qui arrive, donc Flint Marco, qui est tombé dans un espèce d'endroit où il y a plein de sable, il y a un incinérateur qui. Enfin, je sais pas comment ça s'appelle, je crois que c'est ça. Et Harry qui veut prendre sa revanche, qui va s'habiller en bouffon vert, mais qui n'aura pas le même déguisement que son père l'avait. C'est un déguisement très différent. Mais sérieux, vous avez critiqué Spider-Man 3? Bon, par contre, moi je vous dis la vérité, vous devriez même pas critiquer un seul Spider-Man. C'est vrai quoi, ils sont super. Vous pouvez pas dire, oh ouais, mais ils en ont refait, parce que c'est la première trilogie, donc vous pouvez pas dire, oh mais ils en ont refait. Voilà, donc moi je tiens à dire que Spider-Man 1 et 2, je mets la note de 9 sur 10, et Spider-Man 3, je mets 10 sur 10. Cash, j'ai adoré. Il y a aussi un truc qui m'a plus poussé à encore aimer Spider-Man, à plus rêver encore, déjà que les films c'était assez suffisant, mais je trouve que Spider-Man 3, c'est un ancien jeu de PlayStation, ma PlayStation 2 fonctionne toujours, elle est là, et ben ce jeu m'a fait encore plus rêver, parce que dans ce jeu on peut se balader où on veut dans New York, on peut voir tous les monuments à quoi ils ressemblent, et il y avait aussi le premier et le deuxième, que j'aimais beaucoup aussi, mais le meilleur c'est le troisième. On peut aller où on veut dans New York. Regardez, je vous montre les passages à quoi ressemble ce jeu. On peut, voilà, on peut aller où on veut, on peut aller tout en haut des bâtiments, il y a la nuit qui tombe, il y a le jour qui est là, on peut se balader de toile en toile, on peut grimper sur les bâtiments, on peut aller sur le pont de Brooklyn, on peut même aller à Brooklyn, on peut aller à Central Park, on peut aller à Manhattan, au Daily Bugle, affronter aussi quelques ennemis. Il y a donc à un moment donné, il y a un lézard, d'ailleurs on comprend pas trop parce que le lézard c'est dans Amazing Spider-Man numéro 1, mais bon, voilà, il y a des lézards dans Central Park, dans New York, dans les égouts de New York, tout en dessous. J'affronte Harry Osborn. Il y a des tyrans, des bandits aussi, qui s'emparent des camions, qui volent des sacs à main, qui mettent des bombes sur les bâtiments. Et partout, voilà, il y a plusieurs ennemis que j'ai pu affronter. Et à un moment donné, je me balade même avec Mary Jane et tout. C'est vraiment super cool ce jeu, je l'adore. Bon, par contre, un petit conseil, hein, si vous l'avez, évitez d'aller dans l'eau parce que bah, Spider-Man, il peut pas nager. Le jeu, il veut pas. En gros, tu vas dans l'eau, tu meurs. En gros. Bah, je pensais qu'il saurait nager, mais bon. Voilà, en gros, c'est vraiment super cool. Tu peux faire des sauts immenses. Tu peux même te transformer en Spider-Man noir. Bon, après, il faut savoir comment on fait, hein, parce que voilà, c'est pas évident. J'ai toutes les manettes, hein. C'est bon, il y a de la poussière, hein, je peux l'accorder, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Et puis là, on va en parler, ils ont fait d'autres Spider-Man, c'est-à-dire on va faire Amazing Spider-Man 1 et 2, qu'ils ont fait un peu trop après, c'est-à-dire ils auraient dû attendre un petit peu, moi je dis au fil des années. Bon, bah, c'est vrai qu'avec de bons acteurs, surtout en particulier, bon, alors il y a André Garfield et Emma Stone, et j'ai un petit faible pour Emma Stone, je trouve qu'elle joue très très bien, et je vais faire comme avec Mary Jane, Kirsten Dunst. Emma Stone, elle est magnifique, elle est sublime. Sérieux, regarde, je vous ai pas dit en plus, sur La La Land, c'est un film
que je kiffe pas La La Land, mais je trouve que l'histoire elle est très bien, il joue très bien. Mais bon, moi je suis pas trop film de danse, enfin où ça danse tout le temps, je suis pas trop ça, mais je trouve que l'histoire elle est magnifique en tout cas. C'est une très belle histoire. Je l'ai regardé, franchement c'est un beau film, mais c'est vrai que ça danse beaucoup, hein. C'est, allez, faut vraiment s'y attendre, mais voilà, regardez, elle est magnifique, elle a un beau visage, elle a des belles jambes, elle a des très beaux pieds, elle est belle partout, elle est belle de A à Z. C'est une sublime femme, comme Kirsten Dunst, hein, voilà, vous allez vous mettre ici, hein, voilà, c'est parfait. Non, oh, elles sont parties. Bref, Emma Stone joue très bien. Donc, c'est Gwen Stacy, ce coup-ci, c'est pas Mary Jane, dans le film Amazing Spider-Man. Où, en gros, bah, c'est à peu près le même genre d'histoire, sauf que Peter ne se fait pas piquer ici. Il se fait piquer un peu dans les pôles, je ne sais plus trop, dans la nuque, ici, un peu partout. Et il y a des moments vraiment sympas, il y a des belles scènes, il y a des très belles musiques, et il se battra contre le lézard. Et Amazing Spider-Man 2, qui était pour moi super, qui était super, il était bon. Franchement, il était aussi bien que le premier. Franchement, il y en a qui disent qu'ils ont mieux kiffé le deuxième que le premier. Moi, je trouve que le 1 et le 2 sont aussi bien. Mais en tout cas, il était très très bien, avec l'homme électrique qui se rajoute, donc c'est toujours les mêmes acteurs, André Garfield, Emma Stone, et avec de nouveaux acteurs qui se rajoutent, de nouveaux personnages, l'homme électrique, un nouveau bouffon vert, un style un peu moyen, je trouve. Mais je préférais quand même l'ancien bouffon vert, il était un peu. Et le Rhino, moi qui compte pas parce qu'on ne voit qu'à la fin. Enfin, si ça compte, c'est une bonne fin, voilà, c'est bien fait, mais voilà, avec le prisonnier un peu marrant, ouais, enfin très marrant, je trouve. Et donc, ce deuxième Spider-Man, Amazing Spider-Man, était pour moi bien. Mais bon, je kiffe pas autant que la première trilogie. Mais bon, j'ai les DVD, donc c'est pas pour rien. Hein. Le premier et le deuxième, donc voilà. Donc, ça prouve que j'aime bien quand même. Et puis, pour finir, ils ont fait Spider-Man Homecoming, qui est l'un des moins bons Spider-Man. Mais, partez pas, qui est un très bon film tout de même. J'ai passé un très bon moment, mais ça fait. On perd un peu l'esprit de Spider-Man, je trouve, dedans. Mais c'est un très bon film parce qu'il s'est rajouté dans les Marvel. Je pense que j'ai pas besoin de vous les montrer, hein, j'ai tous les Marvel ici. Mais il est parmi les Spider-Man Civil War. Il est dans Avengers Infinity War. Il est dans plusieurs Marvel, y compris dans celui-là, où il y aura un petit rôle par rapport à Iron Man, vraiment un petit rôle, pas beaucoup. Mais j'adore quand il arrive et tout, il arrête pas de parler. Et j'adore les scènes avec Happy. Happy, c'est parce que quoi, vous êtes joyeux, c'est pour ça qu'on vous a donné ce prénom? Au fait, c'est parce que vous êtes heureux qu'on vous appelle Happy. Allez, je vais m'apporter tes affaires, on y va. Vaudrait mieux que j'aille aux toilettes avant, non? Quelle est toilette à bord? Monsieur Stark a crié, colon à droite! Et là, j'ai fait une arrivée stylée, j'ai piqué le bouclier de Captain America, et après, j'ai crié, salut tout le monde! Et là, une seconde, j'arrive! Ça va? Les murs sont fins ici. Mais juste, tais-toi! Ferme-la! Va t'asseoir là! On a envie de lui dire ça! J'adore, franchement! Et l'acteur, c'est le moins bon des trois, mais. Enfin, après, si on devait comparer avec cet acteur et celui de Amazing Spider-Man, peut-être égalité, peut-être. Parce que franchement, il y en a qui critiquent André Garfield, je trouve qu'il joue plutôt bien. Mais c'est vrai que cet acteur, enfin, Spider-Man Homecoming, il joue très bien aussi, je trouve. Et donc, avec. Les autres acteurs, oui, il y en a plusieurs, enfin, donc dans ce film, c'est le vautour. Bon, je trouve que c'est le moins flippant de tous les. Je trouve que c'est le moins flippant de tous les méchants qu'il y a eu dans Spider-Man, hein, le vautour. Mais bon, l'acteur il joue très très bien, il y a de la tension, beaucoup de tension. C'est un très bon Marvel, parce que oui, je pense que c'est un Marvel, oui, c'est écrit Marvel Studio. Donc bref, je vous ai raconté un peu les personnages, les méchants de tous les Spider-Man. Mais qu'est-ce qui me plaît dans Spider-Man? Mais je l'ai déjà dit en plus, je crois. C'est les musiques, les combats, les personnages, la ville dans laquelle ça se passe, c'est-à-dire New York. Donc je rêve d'aller à New York. Hein. Je pense qu'un jour, dans une vidéo, vous allez me voir à New York parce que beaucoup de mes abonnés ont été à New York et en ont fait des vidéos. Je suis trop, trop jaloux. Je suis jaloux parce qu'ils ont de la chance. Hein. Donc, j'irai un jour. Et j'espère que je verrai Spider-Man qui va se balancer hein, pendant qu'on y est. Non, je pense pas. Mais voilà, j'adore le pouvoir de Spider-Man. J'adore quand il tisse ses toiles et tout. Il se balance de toit, de bâtiment en bâtiment. C'est tout ça, tout ce que je viens de dire là, c'est ça qui en fait un bon film, qui en fait une bonne trilogie, qui fait même les autres Spider-Man de bons films tout de même. Parce qu'ils sont tous bons ces films, mais la trilogie c'est ce que je kiffe, les autres sont très bien. Voilà, je kiffe pas, mais ils sont très très bien. Mais voilà, c'est ça qui en fait des bons films. Et il y en a qui critiquent ça, mais arrêtez! Arrêtez quand vous voyez un Transformer ou un Spider-Man, comme je l'ai déjà dit une fois, je sais plus sur quelle vidéo, c'est totalement différent.
Transformers, on est pas dans cet esprit. On n'est pas dans ce film. On n'a pas envie de s'enfoncer, d'être dans cette histoire. Spider-Man, on a grave envie de s'intéresser à ces personnages. Voilà, même on peut ne pas être fan de Marvel, mais quand même, on peut admettre que c'est un très bon film, quoi. Je suis étonné, quand même. Mais bon, après, les gens, ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent, mais bon. Voilà. Bref, j'ai fini sur Spider-Man. Maintenant, on va parler de mon deuxième super-héros préféré. Alors, je pense que vous allez vous en douter de quel super-héros je vais parler, comme vous l'avez vu sur la miniature d'écran. Hein. Voilà. On va parler de Superman. Alors, celui-là, c'est le premier en version longue. C'est Superman, donc le tout premier. Alors, mon acteur favori de Superman restera toujours Christopher Reeve. C'est le meilleur Superman. C'est le meilleur acteur qui incarne Superman. Il n'y en a pas qui le dépasse. Pour l'instant, c'est le meilleur. Il a du charisme, cet acteur. Il joue très, très bien. Il sait faire l'émotion, beaucoup de figures différentes, des expressions de visage différentes. C'est un super acteur que je respecte parce que il est décédé depuis longtemps et puis il a fini dans de graves conditions, handicap assez grave quand même. Moi je respecte cet acteur, c'est un très bon acteur. Voilà, c'était vraiment l'ambiance de Superman, je trouvais dedans, c'était à fond l'ambiance. Oh, les musiques. C'est de la musique. Ça, c'est de la musique. Pum, ça envoie et pum, encore. Et ça, c'est de la pub. C'est de la. Excusez-moi pour le mot, mais c'est de la. Enfin, c'est de la super musique de super-héros. Et voilà, Christopher Reeve restera toujours pour moi le seul et unique Superman, le meilleur. Après, en deuxième, sérieux, Man of Steel. Celui de Man of Steel, qui est interprété par Henry Cavill, qui est vraiment le deuxième meilleur acteur de Superman. Le deuxième, hein, j'ai bien dit pas le premier, hein, parce que le premier c'est Christopher Reeve, hein. Ça c'est le meilleur Superman. Le deuxième c'est Henry Cavill, voilà. Et c'est un super acteur aussi, Henry Cavill, qui joue très très bien. Il a joué dans Man of Steel, dans Batman vs Superman et dans Justice League. Et les autres acteurs du Superman sont pas mauvais, mais ils sont beaucoup moins bien. Alors ils ont fait celui de Superman Returns, et il y a eu d'autres Superman, d'autres, les anciens en noir et blanc, mais tous les autres sont beaucoup moins bien que ces deux-là. Il y a eu Superman Returns, qui est Brandon Root, c'est celui qui l'interprète, l'acteur. Alors, il est pas mauvais, mais un truc qui me dérange, c'est qu'il est trop... il exprime pas toute sa rage, il est pas assez déchaîné. Voilà, Superman doit être déchaîné à plein moment, et c'est ce que ces deux acteurs, donc Christopher Reeve et Henry Cavill, ces deux acteurs sont très déchaîné dans leur film de Superman. Et un Superman d'origine, quand il est énervé, quand il apprend qu'il y a la fin du monde, quand il apprend que sa copine est en danger ou elle va mourir, mais il exprime toute sa rage, il gueule comme un fou. Voilà, Christopher Reeve et Henry Cavill, c'est les deux meilleurs Superman. Il n'y a pas à dire. J'ai regardé aussi un peu les autres Superman, mais je trouve que ils sont pas aussi bien. Alors, ils sont pas mauvais, ils jouent plutôt bien. Mais déjà, il y en a certains que je trouve qu'ils rentrent pas dans la peau d'un Superman. Il correspond pas, il est pas assez musclé. Bon, par contre, ce qui est bien dans Superman, c'est comme dans Spider-Man. Il faut toujours qu'il ait des copines magnifiques. Donc, Lois Lane, qui est dans ce film, en gros, bon, c'est peut-être elle n'est pas aussi belle que d'autres, c'est-à-dire d'autres, bon, je vais le dire maintenant pendant qu'on y est. J'adore, par exemple, Kate Bosworth, elle est magnifique, celle qui est dans Superman Returns, cette actrice est sublime, de A à Z, elle est sublime, et bien évidemment, celle de Man of Steel, Amy Adams, est top, elle est magnifique. Je peux voir une partie de son corps dépassée, je trouve que c'est sublime, quoi, de voir ça, ça peut être ses cuisses... Ça peut être, je sais pas, ses cheveux détachés, ça peut être une jupe courte, ses talons, n'importe, je trouve qu'elle est magnifique cette actrice. C'est un peu comme Kate Bosworth, et comme Kirsten Dunst de Emma Stone, enfin bref, voilà, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, parlons du premier Superman qui est sorti en 1979, donc je crois que je me suis trompé quand j'ai dit 78.
Bon, c'était la préparation, je pense, en même temps du film, qui est avec Christopher Reeve, qui est, je le redis encore, qui est un super acteur. Et le film commence avec vraiment des moments assez. Ça fait rêver. On se demande ce qui va se passer. Et là, la musique, le générique explose avec cette musique qui nous restera toujours dans la tête, hein, si vous connaissez Superman. Et sur la planète Krypton, donc la planète de Jor-El, donc le père de Superman, ils doivent en gros envoyer son fils autre part parce que la planète va exploser. Il y a un problème, le soleil se rapproche trop, ou enfin une partie chaude. Je sais pas, c'est une planète qui est assez chaude. Je crois que c'est le soleil, je suis pas sûr, parce que non, je pense pas que c'est le soleil. C'est bizarre parce que le soleil il est loin de la Terre et Superman fait un parcours très très long pour arriver jusqu'à la Terre. Donc je suis pas sûr que c'est le soleil, enfin, je sais plus trop. Et donc parmi tout ça, il arrivera sur la planète Terre. Et il rencontrera deux personnes qui vont l'adopter, qui vont l'élever. Bon, ils ont vu qu'il avait des pouvoirs, donc il peut soulever un camion à un moment donné. Ils ont fait une tête pas possible, c'est normal, en même temps moi aussi. J'aurais réagi pareil. Et voilà, ça, ils vivent dans une petite maison de campagne et on va dire, il l'appelle papa parce qu'ils l'ont adopté, donc c'est pareil, il se rappelle plus de son vrai père. Il a eu une sorte de crise intérieure, je ne sais pas, je crois, oui, je sais plus quel nom ça porte. Mais en gros, il est mort. Voilà, il est tombé par terre. Ses muscles ne répondaient plus. Et c'est une scène très triste aussi. C'est vraiment dans Superman, comme dans Spider-Man, il y a des scènes très tristes. Et voilà, après, ils vont à son enterrement, bref. Et Superman décide de découvrir vraiment qui il est. Et parce qu'il découvre un morceau de kryptonite, ça vient de sa planète Krypton. Et en fait, c'est son seul point faible qui peut le déstabiliser. Et il veut en savoir un peu plus sur la kryptonite, parce que déjà il savait pas que ça s'appelle comme ça, je pense. Et il dit au revoir à sa mère, enfin sa mère, c'est pas sa mère, mais voilà, c'est celle qu'il a adoptée, donc voilà, c'est un peu sa mère à ses yeux. Et il dit au revoir, il y a des belles musiques, il y a des beaux paysages à ce moment-là, c'est magnifique, ça donne vraiment envie de rêver. Et après il va aller dans un endroit un endroit où il fait très froid, en tout cas, et il découvre en gros des choses que son père lui avait laissées. Alors je vous dis pas c'est quoi. Et puis après il devient Superman. Voilà, en gros c'est là que toute l'histoire va commencer. Et il travaille comme reporter au Daily Planet avec Lois Lane qui rencontre. Il y en a d'autres, il y a aussi son patron qui joue très bien son rôle, je trouve. C'est un très bon acteur aussi, lui. Enfin, voilà. Et bientôt il montrera malheureusement ses vrais pouvoirs devant plein de gens. C'est-à-dire il va sauver Lois à un moment donné d'un accident d'hélicoptère. Et donc elle voit son visage, mais par contre, on a tendance à que l'acteur, en gros, que avec et sans lunettes, il a une tête tout à fait différente. Enfin, on peut le reconnaître. Enfin, franchement, on peut le reconnaître, mais je trouve que ça le change beaucoup. Bah, vous n'êtes pas d'accord? Regardez. Enfin, après, voilà, c'est mon avis. Hein. Après, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis il va affronter quelqu'un qui veut. Comment dire, un tyran en gros qui veut détruire plein de choses pour construire autre chose à la place, qui s'appelle Lex Luthor, dit Catchmaker, Otis, logiquement je crois qu'il s'appelle comme ça, et Superman va l'en empêcher. Et d'ailleurs dans la scène version longue, il y a des choses rajoutées par rapport à ça, je vous dis pas c'est où. Bah je peux vous montrer en tout cas un petit passage parce que je ne sais pas si aujourd'hui ils le font vraiment en version longue, Superman, donc je préfère vous montrer la petite scène. Voilà, c'est ça en gros. Avant de rentrer dans l'endroit où pour affronter Lex Luthor, qui n'est qu'un humain, il n'a pas de pouvoir, mais son pouvoir en tout cas c'est d'activer des espèces de fonds de bombes, des fusées. Voilà, avant de rentrer dans cet endroit, de le trouver, il va passer par ces étapes, plusieurs étapes. Et puis voilà, en gros, ça, j'ai parlé du premier Superman. Et le deuxième, franchement, je l'ai trouvé aussi bon que le premier. Franchement, avec le général Zod et les deux autres, que son père Jor-El avait enfermé dans une prison de glace, qui s'était parti dans l'espace. Mais à un moment donné, Superman va à Paris pour sauver Lois, qui était reporter, voulait faire un reportage sur Paris, elle était dans la Tour Eiffel. Et du coup, il y avait une bombe dans l'ascenseur et il a réussi à foutre l'ascenseur dans l'espace pour que ça explose dans l'espace. Et du coup, ça a fait des ondes sonores, enfin des grosses ondes, et ça a explosé la cage où était libéré le général Zod et les deux autres, j'ai oublié comment ils s'appellent, Nam et Ursa, voilà, ça me revient, qui sont vraiment, voilà, vraiment des méchants super flippants. Ils vont sur la Lune à un moment donné, c'est un passage vraiment inquiétant parce que ils vont sur Terre après, ils découvrent l'aspect humain, comment ça se passe. Ils veulent prendre le pouvoir et ils veulent retrouver le fils de Jor-El, donc Superman, qui, dans ce film, sérieux, ah ben, quand j'y pense, qui perd ses pouvoirs, comme dans Spider-Man 2. C'est marrant, Superman 2, Clark Kent va perdre ses pouvoirs, et dans Spider-Man 2, Peter Parker perd ses pouvoirs à un moment donné. C'est pareil. Donc Superman va perdre ses pouvoirs au moment même où le général Zod va prendre le contrôle
des États-Unis et aussi de la planète aussi bah, après. Donc il demande au président de s'incliner et tout. Voilà, c'est la pagaille. Et ce moment, c'est la merde parce que c'est le moment où Superman précisément perd ses pouvoirs. Et parce qu'il est dans un bar, il se bat avec un andouille, un enfoiré, un crétin, le genre de type, vous voyez, qui est dans un bar, qui dit, allez, serre-moi ce jus de chaussette, là, cette merde, là, et tout, il parle comme ça. Puis ça, c'est ma place, tu me la laisses. Ou alors, oh non, il y a quelqu'un qui était ici, je m'en fous, je prends cette place. Tu vois, c'est le genre de mec qui se comme ça. Donc, le mec profite bien parce que Superman a plus ses pouvoirs, il lui en met une dans sa tête. Voilà. Et c'est vraiment un passage vraiment. J'ai envie de, je suis énervé et triste parce que je suis triste pour Superman et énervé par Miss et énervé pour la personne, l'enfoiré, là, qui lui en met une dans la tête là. Parce que lui, tout ce que j'ai envie de faire, c'est lui rentrer dedans. Je veux dire, un mec comme ça, je sais même pas pourquoi personne s'est tous mis contre lui pour le foutre dehors. Sérieusement, il a quoi? Il a quoi ce mec? Bref, voilà. Donc, voilà, Superman, ben, Clark, on va l'appeler Clark parce qu'il a plus ses pouvoirs là. Et il entend à la télé donc les informations que Général Zod a pris le pouvoir et il veut retrouver le fils de Jor-El. Et Superman va retourner donc dans l'endroit où il fait très froid. Et personne ne s'arrêtera pour le prendre en stop. Hein. On a bien vu que la personne peut mourir de froid. Les gens, ils le prennent même pas en stop, quoi. Sympa, sympa les gens. Bref, il arrive au bout d'un moment à l'endroit. Hein. Ça va, il a survécu, hein, heureusement. Et là, il retrouve un bout de kryptonite qui va lui redonner, je pense, un peu son pouvoir et sa force pour redevenir Superman. Alors, j'ai peut-être pas raconté tous les passages, hein, bien évidemment, je vais pas tout raconter. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Lois saura en tout cas que c'est Superman. Elle saura que Clark Kent, c'est Superman dans ce film. Et qu'à la fin, il y aura une bonne demi-heure de combat et d'action entre Superman et le général Zod et Nam et Ursa. Ça va être vraiment, c'est de la folie, ces combats sont super. Ça m'a fait un peu penser au combat avec Octopus, ou le combat final dans Spider-Man 3 contre Venom, l'homme sable et Spider-Man et Harry qui arrive après. Ça m'a fait un peu penser à ces passages-là. C'est vraiment une bonne demi-heure d'action entre Superman et contre le général Zod et ses amis. Des super combats, de belles musiques, les effets spéciaux, bon, évidemment, ils étaient pas au top à l'époque, hein, mais c'était super. À l'époque, les gens étaient contents de voir ça. Et on n'avait pas d'autres moyens. Et oui, quand le cinéma a été créé, il n'y avait pas d'effets spéciaux. Et c'est venu après. Mais au début, les gens faisaient ça avec sans effets spéciaux. Il y avait des moyens d'essayer de trouver. Et ça allait. Et puis, franchement, pour cette époque, les effets spéciaux, ils n'étaient pas si terribles que ça. Hein. Si on regarde bien, excusez-moi, mais on parle bien de 1979. Hein. Oui, bon, le deuxième a été tourné en 1980, donc un an après. Et franchement, pour cette époque, je trouve que c'était bien. Bon, c'est vrai que Star Wars, qui est sorti en 1977, niveau effets spéciaux était peut-être un chouïa mieux, voilà. Mais je critique pas parce que les acteurs jouent très bien et les musiques sont très bien. Je peux pas critiquer les effets spéciaux, ils sont vraiment pas si mauvais que ça. Ça, en parlant de ça, oui, parce que oui, on raconte dans ça, l'ancien film de ça, en gros, la deuxième partie, il est revenu. À la fin, il y avait une sorte d'araignée. Bon, là, je suis d'accord. Là, franchement, ils auraient pu faire un peu mieux quand même. Mais bon, hein, c'est voilà, je critique pas non plus. Hein, oui, je sais, j'arrête pas de me répéter. Je critique pas, je critique pas. Bref, on a fini de parler de Superman. Donc à la fin, il retrouvera ses pouvoirs. Il va en mettre une bonne à General Zod. Bon, General Zod va lui en mettre aussi pas mal dans la tronche. Hein. Il y aura vraiment, ils sont égalité. Et voilà, c'est une très bonne fin où il y aura des moments marrants où il le ridiculise à un moment donné. J'ai adoré ce passage. Je vous raconte pas, enfin regardez-le. Et ils ont fait Superman 3. Alors j'ai regardé la note que vous avez mis pour ce film dans Internet. Vous êtes sérieux? Superman 3, vous avez mis cette note. Bon, on est bien d'accord. Superman 3 est pas aussi bien que Superman 1 et 2. Mais franchement, il est bien. Et vous avez mis une note vraiment presque catastrophique. N'écoutez pas ces notes-là, regardez-le si vous ne l'avez pas vu. Franchement, j'ai bien aimé. C'est pas meilleur. Ce que j'ai bien aimé dans ce Superman, c'est que il découvre un autre aspect de lui, méchant, qui va arriver. Bon, par contre, c'est le seul Superman où il n'y a pas Lex Luthor. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, mais dans Superman 2, il y avait aussi Lex Luthor, qui était ami avec le Général Zod. Enfin, ami, c'est surtout parce que t'as peur. Hein. Ouais, c'est le genre de mec qui a peur un peu, mais qui, par derrière, quand même, peut faire des coups un peu de... d'enfoiré, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et dans ce Superman 3, les passages que j'ai bien aimé, c'est de voir la vache. Christopher Reeve, il peut faire l'aspect Superman gentil et le Superman méchant. Bordel, il y a un Superman méchant dans ce Superman 3. Mais ils ont fait comme dans Spider-Man 3. Mais quand j'y repense, Peter Parker qui est méchant à un moment donné parce que son costume noir le hante. Mais c'est pareil. Et du coup, il devient méchant à un moment donné. Il boit dans un bar et il veut tout faire exploser. Puis après, on insiste à un combat entre Clark Kent, le gentil,
Et Superman méchant, mais il joue trop bien. Putain, il peut faire deux aspects totalement différents. Il peut jouer la personne gentille et la personne super diabolique. Christopher Reeve, il joue vraiment bien. C'est dingue. C'est pour ça, par contre, que c'est mon acteur favori. Bref, Superman 3 est une très bonne réussite aussi. Bon, il est quand même moins bien que le 1 et le 2, hein, je peux l'avouer, mais il est bien. Et ils ont fait Superman 4, qui est mauvais. Là, je suis d'accord. Ce Superman est mauvais. Il est pas bon. Bon, que nous soyons clairs, hein, Superman et Christopher Reeve joue toujours aussi bien. D'ailleurs, c'est là qu'il commençait à être malade, l'acteur, donc c'est comme ça qu'après il a terminé handicap, même s'il était déjà plus là à l'époque, hein, ça m'a fait beaucoup de peine de savoir qu'il a terminé handicapé. Mais bon, il avait l'air d'être heureux, enfin, de sourire des fois quand même, alors j'essaye de garder cette image de lui, où il souriait à l'époque où c'était Superman et tout. Voilà, en tout cas, t'as fait, ouais, c'est bravo. Donc Superman 4, le seul, tout m'a déçu, à part l'acteur qui joue toujours aussi bien, de Superman 4. Mais je trouve que ce film, c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Il n'y a plus autant d'émotions. Il y a plus autant d'aspects de... Ça me donne plus autant envie de rêver que les autres Superman. Il y avait un petit truc qui faisait rêver. Et maintenant, c'est beaucoup moins bien. C'est un Superman basique, je pense, voilà, qu'ils ont fait. Et je trouve que... Voilà, il y a Lex Luthor qui revient. Ouais, bof. Et un nouveau méchant qui va venir. Alors, que nous soyons clairs, il est pas... C'est pas de la merde, ce méchant. Mais faut arrêter, quoi. Comment il parle des fois? Bon, que nous soyons clairs, il connaît rien de la planète Terre, il est créé par le Soleil, donc il sait pas trop quelle parole utiliser, je pense, mais voilà, j'attaque les gens et je leur fais mal. Ne la cherche pas, elle n'est pas ici. Si tu ne me le dis pas, j'attaque les gens et je leur fais mal. Oh, je vais te faire des petits bobos sur le visage. Oh, tu es très très méchant, il faut que je te tue. Méchant, humain, pas beau, gentil. Ouais, ouais, il part un peu comme ça, j'ai l'impression. Mais voilà, comme d'hab, après, à la fin, ils nous font une bonne demi-heure d'action qui a moyennement fonctionné. C'est pas mauvais, mais voilà, c'est beaucoup moins bien. C'est beaucoup moins bien que les premiers Superman. Et puis après, ils ont fait, longtemps après, Superman Returns. Donc, le retour, en gros. Donc, avec l'acteur que je vous ai dit qui se déchaîne pas assez, il est pas assez déchaîné, il exprime pas toute sa rage et sa colère. Mais bon, ça en fait pas de lui un mauvais acteur. Mais il est un peu trop... pas assez expressif du visage. Il est pas assez expressif du visage. Mais il y a de bonnes scènes d'action, parce que oui, bon, c'est assez longtemps après, donc les effets spéciaux sont un peu mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux même, je dirais. Où il y aura dans ce film, donc je la kiffe, hein, Kate Bosworth, hein, il y a des scènes vraiment très belles avec elle. Sexy, non, pas vraiment, malheureusement. Mais bon... Voilà. Et puis, beaucoup d'action à la fin, parce que la planète commence à être en catastrophe et Superman va tout faire pour sauver tout ça. Mais merde, il exprime pas toute sa rage. Il crie pas un bon coup, mais crie je sais pas, moi, un cri vraiment énervé. T'en as marre. Et Lex Luthor donc s'emparera de la kryptonite, hein, et va le déstabiliser. Voilà, il y aura plein de moments comme ça où Superman sera faible. Je ne vous raconte pas comment ça se termine. Mais ce Superman n'est pas mauvais. Déjà, il est mieux que le 4. Hein. Et par rapport au 3, est-ce qu'il est mieux? Il est un chouïa moins bien. Mais bon, voilà, c'est pas trop comparable, on va dire. Moi, je me fie pas trop aux notes dans Internet. Enfin, je peux m'en fier des fois, mais je me fie beaucoup à moi-même, ce que moi, je l'ai ressenti. Et puis après, ils ont fait, enfin, Man of Steel. Man of Steel, que l'acteur, donc, est très bon. Voilà, je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est un très bon acteur. Et il va affronter, donc, dans ce film, le Général Zod. Mais c'est plus le même, hein. ça n'a rien à voir. Hein. C'est une toute nouvelle histoire qui commence. Les effets spéciaux, bon, évidemment, ben, ils sont top. Hein. Ça, c'est longtemps après, donc voilà, maintenant, c'est des bons effets spéciaux, des bons combats. Et puis, ils ont fait Batman vs Superman, que je pense que ce film est vraiment moyen. Alors, quand Batman et Superman se battent, c'est un bon combat. Les effets spéciaux sont top. Sous la pluie, sous les éclairs, dans le noir, comme ça, c'est vraiment mystérieux, flippant, c'est très bien fait. Mais sérieux, Superman, il lui en fout une, l'autre, il tombe par terre, quoi. Comme il dit, Superman, si je l'aurais voulu, je t'aurais déjà mis KO. Mais voilà, ce Batman, donc, il utilise un moyen avec la kryptonite pour le déstabiliser. Mais Batman, t'aurais pas eu de kryptonite, tu serais foutu. À Superman, il t'aurait démoli. Parce que nous soyons clairs, Superman, pour moi, c'est le plus puissant de tous les super-héros. Que ce soit Marvel ou DC Comics, c'est le plus puissant de tous. Vous allez me dire quoi, Thanos? Thanos, sérieux? Non, parce que Thanos, sans le gant, il peut rien faire. Avec le gant, bon, j'avoue, ça ferait un très bon combat contre Superman. Vous allez me dire quoi, Hulk? Thor? Non, c'est pareil. Non. Thor, sans son marteau, je pense pas qu'il peut rivaliser contre Superman. Superman, c'est le plus puissant. Donc, ce combat avec Batman, c'était les effets spéciaux, le combat est pas mal en lui-même. Mais sinon, voilà, ce film a beaucoup permis à ce que ces deux-là se battent, je trouve. Et par contre, le Lex Luthor de Batman vs Superman, bah, il est pas mauvais. C'est un autre aspect de Lex
Lex Luthor, mais je préfère beaucoup plus l'ancien. Hein. Et à la fin, il y aura Wonder Woman qui va se rajouter. D'ailleurs, le film aussi Wonder Woman, il est très bien. Et après, ils ont fait Justice League, que je trouve qu'il est vraiment moyen. J'ai donné la note de 5 sur 10, je crois, à mes souvenirs. Ce film est pas mauvais, mais le méchant déjà dedans, je sais plus si trop c'est quoi son nom. Superman, il lui en fout une à la fin, quoi, il le balaye. Mais sinon, bon, après, de les voir tous réunis avec les nouveaux, ça va, c'est pas mal. Mais comme je vous l'ai dit, moi, mes préférés, c'est Superman, Batman et Wonder Woman. Les autres, ils sont bien, mais beaucoup moins bien, quoi. Donc voilà, bon, bah, qu'est-ce qui me plaît dans Superman? Bah, c'est pareil que Spider-Man, quoi, c'est la ville, l'aventure, les personnages, les musiques, les combats. Et voilà, c'est surtout en particulier Christopher Reeve qui m'a fait beaucoup rêver pour Superman. Petite pensée à toi. Ah oui, donc j'ai oublié de vous montrer vite fait, hein. Donc je vous ai montré que j'avais le premier en version longue, Superman. Et tous les autres, en gros, bah ça c'est le même. Celui-là c'est le même, mais en version normale. Donc Christopher Reeve, hein, que nous voyons sur l'affiche. Nous avons Superman 2 qui est super, c'est un super film. Avec le drapeau américain, il porte le drapeau américain, à un moment donné, c'est vraiment bien fait. Superman 3 qui est très bien, alors ne critiquez pas ce film. Je sais pas si parmi les visages vous reconnaissez c'est quelle sorte de Superman, mais il était très bien je trouvais. Le Superman qui m'a beaucoup déçu, le quatrième. Alors l'acteur est toujours aussi bon, hein, évidemment, je vous le précisais, mais c'est le moins bien de tous les Superman. Superman Returns, qui est pas mal, ça va. Lex Luthor, alors je me suis fait piéger comme un idiot. Je pensais que c'était le même acteur Lex Luthor que dans les anciens Superman. Franchement, ils ont pris des têtes qui se ressemblent un peu, je trouve. Mais non, c'est pas le même. Hein. Et puis Man of Steel, hein, qui est c'est un très bon acteur, lui aussi, avec... Ah, Amy Adams, vous voyez. Ah, ce que j'aimerais qu'elle m'embrasse comme ça, là. Un bon gros bisou, hein. Ouais, ça serait pas de refus. Et puis je vous montre pas, je vais pas vous montrer Batman vs Superman ou Justice League, hein, voilà, c'est bon, je les ai ici, hein, c'est bon. Et puis nous allons terminer par Hulk. Voilà, le petit plus, le petit troisième que j'adore aussi, que j'ai toujours aimé. Donc j'ai les anciens. Alors je crois pas que j'ai l'intégrale. Hein. Donc c'était à l'époque c'était Bill Bixby. Voilà, et Lou Ferry. Gno, bah c'est les anciens acteurs. Alors à l'époque, évidemment, les effets spéciaux n'étaient pas top. Donc c'était une personne comme moi ou n'importe qui était tout simplement peint en vert, qui avait des lentilles de contact et qui avait vraiment pas mal de choses. Ses cheveux étaient peints en vert. Enfin, ils n'étaient pas peints, mais il y avait de la teinture. Enfin, chip-chip, des petits trucs un peu verts. Voilà, c'était pas un grand Hulk, mais franchement, pour l'époque, c'était très bien. Et ensuite, ils ont fait Hulk. Un film avec un acteur que je trouve qui n'est pas assez déchaîné aussi, qui n'est pas assez expressif du visage. Oh, bah, sa copine, elle est bien, c'est sûr, elle est belle. C'est un Hulk, je crois que c'est le premier Hulk qu'ils ont fait où Hulk, il est costaud et très grand, où il se bat avec des chiens, il se bat avec un homme de pierre à la fin, il se bat contre des chars dans un désert, il y a des bonnes scènes d'action. C'est un super Hulk, mais je suis désolé de dire ça, c'est pas le meilleur. Pour moi, le meilleur, c'est celui-là. Beaucoup l'ont critiqué ce film. J'arrive pas à comprendre. Il est bien. C'est un très bon film de. Oh, avec Liv Tyler. Hein, en gros, un petit bisou encore. Hein, ça me donne envie de rêver. J'ai trop envie de l'embrasser. Qui est un super film. Écoutez, c'est le meilleur de Hulk. Déjà, les musiques sont mystérieuses et tout. Et quand il arrive, putain, mais qu'est-ce qu'on voit la bête. On voit le Hulk, putain, mais la tête, il fait flipper. C'est le Hulk le plus flippant pour moi. Parce que oui, par contre, dans Thor Ragnarok ou les nouveaux Marvel, je trouve que Hulk, il est bien. Il est très bien même. Ça fait plaisir de voir des fois marrant, en train de faire des petites blagues avec Thor et tout. Mais du coup, ça enlève un peu l'aspect de Hulk énervé et tout. Et c'est plus une marionnette. Alors, je critique pas parce que, comme vous l'avez vu, Thor Ragnarok, j'ai adoré. J'ai mis 9 sur 10, j'ai adoré. Mais pour moi, les anciens Hulk et les nouveaux, ça n'a rien à voir. Pour moi, c'est un peu différent. C'est pas le même Hulk. C'est un autre aspect que j'aime bien, mais qui n'est plus le même. Voilà, pour moi, dans Hulk, l'incroyable Hulk, ça, c'était un vrai Hulk. Regardez sa tête. Regardez ça. Comment il fait peur. Et donc, à la fin, il affronte Abomination. C'est de là. Il s'affronte à la fin. Et il y a une bonne quinzaine de minutes de combat d'action à la fin qui est spectaculaire. Voilà, je vais pas en dire plus. Voilà, Hulk aussi fait partie de mes top favoris. Surtout, pourquoi vous avez retiré Liv Tyler? Pourquoi elle est pas revenue dans un Marvel? Elle aurait pu faire une petite participation. Bon, peut-être parce qu'il voulait plus lui causer problème. Il voulait plus qu'elle se mette en danger pour lui. Oh, mais Liv Tyler, qu'est-ce qu'elle est sexy! Bordel de merde. Il y a des scènes avec elle, ouf. Mais les acteurs sont toujours aussi bien et ils jouent bien. Alors, ils ont changé l'acteur de Hulk par rapport à Marvel et l'incroyable Hulk parce que c'est censé se suivre un peu. Ils ont changé l'acteur. Qu'est-ce que vous pensez que je préfère lequel entre ces deux-là? Bah, franchement, les deux sont aussi bien. Mais lui, il a plus un rôle pour être dans le comique et lui, il a plus un rôle pour être dans le sérieux, je trouve.
Alors après, c'est mon avis. Mais les deux sont aussi bien, je trouve. Ils jouent aussi bien. Voilà. Et puis après, éventuellement, mes deux bonus. Bon, je les ai pas mis en miniature d'écran, mais voilà. Pour moi, c'est mes trois super-héros préférés. C'est Spider-Man, Superman et Hulk. Pour moi aussi, il y a aussi beaucoup Wolverine que j'adore. Particulièrement parce que le dernier Logan qu'il a fait, il était super. Et Batman. Batman que j'adore. Ah non, non, pas celui-là. Non, non, non. Non, non, bon, excusez-moi, j'en ai rien après cet acteur. Hein. Mais c'est pas le meilleur. Non, 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 non. Voilà, ça, c'est le meilleur. Pour moi, celui de The Dark Knight, de Batman Begins, de The Dark Knight Rise, ça, c'est le meilleur. Et aussi l'ancien Batman, le tout premier avec un acteur connu qui fait le Joker. Ça, c'est les meilleurs Batman, je trouve. De Justice League et Batman vs Superman, je trouve franchement que le Batman, il est pas raté, mais il y a un truc qui me dérange. Il est pas pareil que les autres Batman. Et je préfère beaucoup plus que les autres acteurs. Ils sont beaucoup mieux. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un petit plus. Alors, j'aime tous les super-héros, je les aime tous. Bon, à part Daredevil, hein. Je suis pas trop fan de Daredevil. Mais sinon, je les aime tous. J'ai pas besoin de tous les citer. Donc. Mais mes trois préférés restera toujours Spider-Man, c'est-à-dire Peter Parker, Superman, Clark Kent, et Hulk, Bruce. Ah, je vais pas dire Bruce Wayne, hein. Bruce Wayne, c'est Batman. Hein. Je suis pas bête non plus. Hein. Voilà. Donc voilà, cette vidéo a été, je pense, bon, assez longue, hein, désolé. Mais c'est très important que vous me dites quels sont vos super-héros favoris à vous, que vous me dites tout ça dans les commentaires, qu'on fasse des vidéos assez sympas. Voilà, bref, ces films m'ont fait rêver, et ils me feront toujours autant rêver quand je les re-regarderai. Et donc, je vous dis à la prochaine vidéo, ou la prochaine vidéo, logiquement, je sais de quoi je parlerai, je fais le nouveau, que là ça marche pas.